Redynamiser le Nord Grande Terre, c'est l'objectif de la CANGT. Les aménagements du littoral laissés à l'abandon sont peu à peu remplacés, comme ici à Lens-la-Borde. On a posé, on peut dire, trois carobés. Trois carobés ici à Lens-la-Borde. La collectivité pourra profiter d'un littoral exceptionnel, mais aussi de salariés d'un chantier d'insertion. Alors ce chantier s'est construit à partir d'une volonté des collectivités du territoire qui ont souhaité mettre en valeur le territoire et ses richesses. Et dans les richesses du territoire, il y a des hommes. Et nous avons monté un chantier d'insertion sur lequel nous avons embauché 10 personnes qui étaient à la recherche d'un emploi, qui cumulaient des difficultés sociales et professionnelles, qui donc n'avaient pas travaillé déjà depuis plus de 2 ans. Plusieurs sites sont concernés par ce programme. Le parc paysager de Petit Canal, peu à peu transformé en friche, verra sa rénovation débuter d'ici peu. Je crois qu'il y a une ambition touristique sur le Nord Grande Terre, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a également un grand projet autour de l'agroalimentaire. Et donc tout ça contribue à résoudre progressivement les questions d'emploi qui peuvent se poser. Et on voit bien sur ce chantier d'insertion que des personnes qui sont loin de l'emploi peuvent arriver à retrouver une insertion dans la vie professionnelle grâce au développement touristique de leur territoire. Aider les plus fragiles à se former et à retourner vers l'emploi, tout en construisant des zones attractives pour dynamiser l'économie. Par cette stratégie, la collectivité espère diminuer le taux de chômage sur son territoire. Vous regardez ETV.